nan état Maryland, particulièrement dans la ville de Baltimore, kote yon bateau cargo te krasé sa yon lantan yon pont et sou état sera le maire pour plus de détails. Enquêteurs ont commencé à collectionner preuves d'un bateau cargo qui était frappé pont Francis Scott Key, Baltimore, là, et puis fait effondrer. Pendant ce temps, Daiva a cherché dans l'eau 6 travailleurs construction qui travaillent sous pont, hein, leur lit est plongé descendre dans la rivière. Autorités ont joint 2 cadavres victimes mercredi. Ils ont présumé ratio mourir. Westmore, c'est gouverneur État Maryland. Today is an important day. It's important that we also acknowledge the moment that we find ourselves in. Lizi jodi a c'est un jour important. Faut que nous reconnaître moment n'a traversé a. Et puis jodi a n'a pensé à famille d'Orlean, Castillo, Cabrera, ak Minor, Yassir, Suaso, Sandoval que nous joignent et puis identifié hier. Nous la prier pour famille ak famille toutes victimes effondrement pont Kila. Que nous avec famille. Nous chagrin en pile pour tragédie ça. For this tragedy. Victime yo se moun Mexique, Guatemala, Honduras ak Salvador d'après sa autorité ou fait konnen. Minor Yassir Suaso Sandoval, 39 ans, c'était petit pi jeune parmi 8 timoun famili. Li se moun Asakualpa, ou bouk nan moun Honduras tout près frontière Guatemala. Sa gen 18 ans de ça, li tal États-Unis pour chercher opportunité. Il était entré aux États-Unis illégalement et puis établi colis dans l'État Maryland, côté éventuellement il était ouvri au business avec Frélio. Martin Suaso Sandoval fait connaître mercredi. Il décrit Frélio tant qu'un nègre qui était fort en business et puis travaille dur. Il fut un pilier fondamental, un bastion pour que d'autres personnes de la famille aussi puissent voyager vers là. L'utilité est un poteau mitant fondamental famille qui te permet même famille voyager aux États-Unis, jouer un visa, tout bagaille. C'est lui-même qui te gère tout voyage pour majorité famille. Sandoval dit, c'est dans le grand matin qu'il te apprend nouvel accident. Nous ne savions nadar et nous avons fait que pouvait avoir sali de quelque part. Il dit frère, c'est qu'on nage et nous avons espoir que l'étape capable de sauver tête li. Mais n'absent nouvelles officielles sous ça qui est passé exactement. Monsieur dit toute famille en dévastée, surtout maman li. Gain 3 Mexicains qui étaient sous pont, l'autre était tombé à. Parmi eux, youn qui était blessé, avec 2 autres qui disparaissent. Ministère Affaires étrangères Guatemala a confirmé que gain 2 citoyens li qui étaient parmi moun qui disparaissent sous pont. Ministère Affaires étrangères Salvador, Alejandra Gil Tinoco, publie un message sur réseau X mercredi, côté li dit yon citoyen salvadorien Miguel Luna était parmi travailleurs qui disparaissent yo. Pendant ce temps, dans Baltimore, citoyens yo a essayé de gérer gros choc yo prend par rapport avec un moyen de transport clé que yo kon utilise chaque jour. Désastre à la cause pour Baltimore là ferme tout, ça qui gagne gros impact économique sur tout le monde qui servit avec. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Actualité a mené nous dans la ville de Genève, en Suisse, côté responsable des Nations Unies pour droits humains, Nations Unies pour Haïti, et bien présenté un tableau sombre sur la situation des droits humains dans la nation Caraïbe, par Léo Saint-Louis depuis ville de New York. The situation in Haiti is cataclysmic. Volker Turk, qui c'est le haut commissionnaire des Nations Unies pour droits humains, t'a dit dans une déclaration qu'elle t'a faite depuis Genève, pays la Suisse, que Haïti dans une situation cataclysmique. Puis aux Nations Unies pour droits humains, t'a déterminé que violence gang t'a fait 4451 victimes, moun qui mouri avec une autre quantité 1668 moun qui blessés pour année passée par membre gang yo, viol à kidnapping qui fait sous femme yo après que t'a wè gang yo touyé mari yo devant yo. Volker Turk te mette accent sur recrutement et abus que gang yo fait sous timoun yo, que ces petits garçons soient tifi. Yo même yo vin pas capable quitter groupe gang yo parce que yo peur pour gang yo pas faire revanche sou yo. Ou commissionnaire des Nations Unies pour droit moun nan Volker Turk te dit all these practices are outrageous. Toute pratique sa yo exorbitant et yo doit suspend une fois pour toutes. Rapport national qui te mette en place pour essayer empêcher violence là dans pays ya. It is shocking that despite the horrific situation on the ground, arms keep still pouring in.
Li choquant que malgré situation terrible sous terrain, ZAM continue à vider dans le pays. Moi fait appel pour une application plus efficace dans embargo ZAM. Rapport a parlé tout de nécessité pour déploiement urgent une mission support sécurité multinationale pour aider police pays d'Haïti à couper violence et puis protéger population. Rapport Bureau Nations Unies pour droits humains te dit que améliorer sécurité a pour compte pas apporter une solution durable, mais li mettait accent tout sous nécessité pour faire bon politique qui visait rétablir état de droit dans le pays. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio Saint-Louis. Pas oublier de partager les nouvelles avec les amis, les familles, pour être capable même tout connaître ce qui a passé exactement, pas seulement dans le pays d'Haïti, mais tout dans le monde. Nous pourrons aller dans le télévisionnel pour aller dans le pays d'Haïti. Côté conseil présidentiel, là, faire appel à l'unité dans l'idée pour résoudre crise et pays à traverser depuis quelques temps déjà, Yves Manuel. Conseil présidentiel là informé à travers yon communiqué limité de yon la travail dans l'idée pour le prendre fonction officiellement. Cependant, li pas avancé en ken date pour sa fête. Dès que nous fin installé, n'a travail pour nommer yon premier ministre et n'a formé yon gouvernement union nationale de massa visé restaurer légitimité démocratie, stabilité et dignité paysan selon sa conseil yo fait connait dans communiqué à conseil présidentiel l'a précisé l'a préparé le tout pour installation en fait officiellement critères et mécanismes yo déjà élaboré pour choisir président ou présidente conseil là et puis tout pour nommer yon premier ministre et cabinet ministériel là ensemble n'a exécuté yon plan clair pour rétablir l'ordre et démocratie ça passé par renforcement sécurité croyant yo soulagement misère peuple là nous parler tout vers élection libre cap accompagné de réformes qui nécessaires pour faire pays progresser selon ça document fait connait conseil présidentiel là a finalisé actuellement un document qui bail détail sur organisation et fonctionnement et gain là-dedans tout un accord politique selon représentants différents blocs yo qui signe document ça à l'exception de représentante rien Régine Abraham enfin Conseil a dit conscient de ampleur crise là fait appel à unité nationale une façon pour travail pour rétablir un climat la paix en dans pays. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. N'a toujours été dans Port-au-Prince côté directeur police nationale là François Albé mandé policier Kembe Jam dans lutte à mener contre nèg armé identifié comme bandi Renan Toussaint. D'après une vidéo qui est publiée sur page Facebook officielle la police nationale d'Haïti, directeur général institution Franz LB fait état différents attaques bâtiments qui logeaient police nationale l'a subi un bâtiment présumé bandit armé plusieurs milliers monde bande armée fait courir qui des cailloux à quantité bien public à privé bandit pillé DGPNH l'a tenté mettre population haïtienne en confiance face à toute dérive ça yo dans situation difficile ça que nèg exam à tout acolyte yo mettez nous la police vinn di nous li camper ferme ak nous et li comprenne problème ak tête chargé que n'a traversé ya la police a vinn di population c'est résistance li qui bal force ak courage pour continuer bataille pour nous ka tourner dans quartier nous et dans mitan famille nous pendant ce temps commandant en chef la police là salue travail policier yo li estime ki pa rete bras croisés devant action bandi yo et mandé yo continuer goumen pour rétablir l'ordre ak sécurité sur territoire national lan. La police apra poursuivre opération yo la journée kou la nuit c'est peut-être ça tout commandement pap Jean suspend fè louange pour courage ak détermination policier vayan nou yo ki te respecte consigne que nou te ba yo et ki kapè djèm l'engouement pour la paix retourner la journée pour la nuit pour ne pas quitter pays à tomber dans main bandit criminel yo commandement a profité dit frère Axel policier yo que me femme parler parce que j'ai force à yo provoquer en pile admiration et à satisfaction dans mitan population à gros commandement déclaration DGPNH la France LB vini nan moment côté président américain Joe Biden autorisé secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour le voyer by police nationale d'Haïti 10 millions de dollars américains cap sorti dans ministère sécurité intérieure États-Unis Renan Toussaint pour VOA Creole Port-au-Prince.
Alors, on dit que l'agence a pour elle servir pour acheter des armes avec munitions pour la police nationale là, capable de continuer la bataille à mener contre gang armé. Dans l'autre nouvelle, Dr. Fritz Bisseret, leader congrès Wana Metlan, et bien lui-même qui t'a pris pour une question collaborateur nous, Jacques Mélisier, et bien lui-même lui dit qui façon que même lui était quoi, ou bien qui démarche quoi, transition est capable d'entreprendre pour y réussir. Nous croyons que pour la réussite, n'est-ce pas, d'une transition, pour une transition et qui réussit, nous parler de l'inclusion. Il faut que le dialogue se fasse avec tous les secteurs. Et il faut que nous arrivions à un pacte, n'est-ce pas, à ça, nous avons un protocole de paix. Nous rencontrer en pile le secteur international, côté la même situation, ça, yo. Nous garder comment yo résout, yo, que ce soit en Afrique ou bien en Amérique du Sud, et nous prenons tout document ça, nous travaillons sur eux, et nous prenons des contacts également à travers, soit directement à travers des intermédiaires, avec les nouveaux acteurs de la crise, dit mais réalité. Parce que qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Nous pensons que il y a un pile monde qui a un pile ambition, mais il faut que chaque monde connaît qui côté est capable de placer en dans nos structures sur nos échiquiers. Il faut avoir, non pas des chevilles carrées dans des trous, mais pour avoir, n'est-ce pas, the right person in the right place. C'est-à-dire, les chevilles carrées dans des trous carrés et les chevilles rondes dans des trous ronds. Donc, voilà pourquoi nous pensons que dans ce dialogue permanent que nous avons fait avec, n'est-ce pas, tous les secteurs, nous demandons de prendre conscience de la situation. Parce que ce qui manque, d'une manière générale, auprès de ces acteurs, c'est l'amour du pays. Parce que qui s'arrive? Je ne pense pas qu'on pense que ça qu'on fait actuellement dans le pays, là, c'est un simple hasard. Que c'est une forme de destruction qu'on fait, que c'est un bagage qu'on fait. Il n'y a pas un bagage qu'on fait au hasard. Et nous pas naïfs, nous comprenons très bien ce qu'on fait là. Voilà pourquoi nous autres, nous rencontrons, n'est-ce pas, des mondes. Nous pas seulement contentons-nous de faire des analyses, de faire des lectures, mais nous essayons le maximum de données possibles pour nous capables de dire qu'il y a une possibilité, n'est-ce pas, d'avoir dans ce pays ce que nous appelons un pacte ou bien encore un protocole de paix, n'est-ce pas, et que nous capables d'arriver à faire monter en conscience parce que y'a déjà et que ceux-là qui sont des valets, qui ont toujours été des instruments utilisés, n'est-ce pas, par l'international, lorsque nous pas capables des exemples, nous pas contenter seulement de parler des exemples de ça qui passait dans des pays étrangers, comment ils ont utilisé, leur fin utilisé, comment ils ont servi avec eux après, mais nous parler des exemples récents dans notre histoire de monde qui était toujours pensé que parce qu'ils sont au service, n'est-ce pas, de Coulon, parce qu'ils sont au service de l'étranger, eh bien, ils sont bien gardés. Nouvelle concernant l'immigration, eh bien, l'administration Biden a remporté une victoire partielle après un tribunal dans l'État de Louisiane, parce qu'il y en a Nouvelle-Orléans, eh bien, prend décision pour bloquer loi controversée étatisée pour limiter en application sur l'immigration. Un coup d'appel États-Unis dans Nouvelle-Orléans bloqué tentative étatisée pour appliquer une loi immigration controversée. Loi qui criminel immigrant qui t'a rentré illégalement dans l'État Texas et ba juge au pouvoir pour déporter immigrant avec possibilité pour y passer jusqu'à 20 ans prison si y'a pas voulu tempérer. Edna Young, co-directeur groupe American Gateways, déclaré proposition inconstitutionnelle ça pas dérivé dans point ça. N'attend pour tribunal yo bloquer définitivement pour ne capable continuer discuter sur solution politique réelle. Loi SB4 là, yon juge te bloqué en février a fait face avec une série de défis légaux malgré que suprême nan brièvement te permettre d'y entrer en application. Mais après une révision approfondie, tribunal coup d'appel là avec deux voix pour yon compte empêcher d'entrer en application en attendant d'étendre des positions parties concernées au 3 avril qui vient là. Quelques officiels locaux dans l'État Texas déclaré qu'ils étaient doutés sur l'impact loi ta capable de gagner, même si le tribunal a accepté l'entrée en application. Skylar Hearn, directeur exécutif de l'association Sheriff État Texas, parlait pour dire que loi pas ta pral porter changement sur frontière à cause de soucieux qui pas assez. Chaque monde a fait ça capable de dire. Heureusement, le gouvernement fédéral là a fait partie pal dans pifo zone frontalière. Administration Biden a plaidé pour dire loi Texas là empiété sous droit exclusif gouvernement fédéral a gagné pour appliquer loi complexe immigration. États-Unis établit procédure pour déportation et puis permettre immigrants yo appliquer pour asile à clôt et statut légal. Immigration avec sécurité sous frontière États-Unis partagée avec Mexique, c'est un sujet important dans campagne électorale élection 5 novembre
entre président démocrate Joe Biden et candidat parti républicain Donald Trump. Jean-Ouvert Philippe, VOA Creole, Washington. Check dans notre point cap de mini actualité avec Marie-Louise Pierre. Organisation Médecins du Monde là, t'es visité monde qui était dans camp déplacé au dans lycée des jeunes filles dans capitale haïtienne dans Port-au-Prince. Mardi 26 mars là, dans moment avenue politique pays a, dans un passe à gang armé qui gagne plus contrôle sous ville là, à plus loin toujours. Et au tribunal, t'es empêché tentative d'exercer ta fait pour l'appliquer une loi qui t'est soulevée en pile parole en pile pour arrêter mon suspect qui t'est traversé frontière États-Unis avec Mexique illégalement. Mercredi 27 mars passé, y'a mené un petit monde petit palestinien qui t'est gagné 2 mois qui t'a souffert avec malnutrition grave dans l'hôpital Kamal Adwan dans Nord-Gaza. Y'a rapport aux Nations Unies t'es appuyé moi ça, t'es dit à faire grand goût à frappant et gagné pile chance pour arriver dans moi Méa dans Nord-Gaza. Merci Marie-Louise Pierre. Dans notre programme de mini actualité, nous parler dans la ville cap-haïtien côté et malgré un pile problème, il y a confronté mais l'hôpital Université Justinien dans la ville cap-haïtien continue à appauvrir service tri. On a jeune Gérard Maxino pour plus de détails. Malgré difficulté, la fait face à lui, l'hôpital Université Justinien dans la ville cap-haïtien continue l'ouvrir pour recevoir population grenoise qui vient chercher soin la santé. Directeur exécutif de l'hôpital là, docteur Jean Geto Dubé, a expliqué quelques difficultés il a rencontré. Normalement et l'hôpital là depuis quelques temps travaille 24 sur 24 et bon médecin assez motivé, tout staff là assez motivé malgré comme si manque de moyens qui gagne yo. Je pense que les urgences qui arrivent jusqu'à présent, pendant toute période, nous répondons à eux-mêmes. Et les urgences en général, les urgences médicales, les urgences chirurgicales aussi, et les urgences de césarienne aussi, et les pédiatriens, même pas, j'en ai parlé depuis quelques temps, les pédiatriens full à 100%. Donc, en d'autres termes, et relativement, je pense que nous avons un rythme croissant malgré tout le problème qui gagne. L'hôpital là, selon le responsable, a fait face dernier temps à gros problèmes économiques à cause du pays qui est censé l'oc. Directeur exécutif a expliqué qu'il y a une grosse difficulté pour jouer les médicaments qui sont capital là, Port-au-Prince. Maintenant, nous venons dans un contexte comme si nous avons forme de pays lock parce que route est bloquée. Donc ça veut dire que tout produit est sorti de Port-au-Prince. Nous avons effectivement des problèmes comme si pour nous approvisionner nous et en entrant, qui viennent chita déjà des problèmes comme si connus du financement. Mais comme vous me répétez encore, jusqu'à présent, malgré tout problème ça, l'hôpital là a fait tout ça capable pour faire face à la responsabilité la mission. L'hôpital Université Justinien n'a pas de moyens pour acheter gaz pour Delcoyo. C'est grâce à un système solaire tout neuf, il fait un gain qui permet de jouer une énergie électrique pour capable fonctionner. Nous avons un système solaire qui quimbe de tous les jours, nous faisons rationnement un petit peu le soir pour nous gérer l'urgence. Mais si nous n'avons pas un système solaire, là, je garantis que nous avons vraiment en difficulté parce que nous n'avons pas de carburant. Le responsable a fait qu'on est dans un moment gros problème, il travaille dans la tête collée avec l'hôpital qui est tout près, dans l'esprit de coopération, l'un et l'autre pour résoudre une série de problèmes. C'est ça qui te permet de combattre le coronavirus et le choléra. Gemilo, gen quartier Morin, c'est deux autres hôpital quand même qui dans département et bon, m'a parlé de Pillon qui sont là mais m'a parlé de l'hôpital qui près l'hôpital Justinien. Tout l'hôpital ça quand même travaille et dans moment de crise, on était fait le Covid là déjà. Chaque fois ça arrivait en coordination pour nous faire face à des cas qui ta nécessité quand même que nous go référence une pour l'autre. Justinien qui dans centre-ville au Cap, c'est plus gros l'hôpital l'état dans département Nord. Chira Maxino, Cap-Haïtien, pour la Voix d'Amérique. N'a prêté dans Grand Noir, côté la police gaye à gaz lacrymogène, manifestation population 5 communes, dans Nord avec Nord-Est a fait compte raté ou bien raté et courant électrique. Nous voyons une journée de Junior Saint-Ville depuis Ville-Fort-Liberté.
En bas invitation regroupement des citoyens engagés de Trou du Nord qui gagnent dans jouet li recette, plusieurs centaines citoyens qui étaient sortis dans 5 communes département Nord et Nord-Est qui c'est Limonade, Trou du Nord, Caracol, Terrier Rouge et Sainte-Suzanne manifesté hier mercredi 27 mars 2024 là dans ville Trou du Nord à Caracol contre responsable compagnie courant électrique Enrica qui n'a pas industriel Caracol là parce que d'après ça yo dit yo changé horaire distribution courant qui était 24 sur 24 qui passait connait là à seulement 3 heures de temps. Et un petit temps après, la police qui t'a sécurisé manifestation t'a utilisé gaz lacrymogène pour te gailler foule là qui t'a gonflé devant portail principal parc industriel Caracol. La police c'est directeur de Caracol Jacques qui fait ça. C'est pas premier jour nous venir devant là, nous pas faire des ordres. Les policiers n'ont pas le droit à tirer des barrières sur nous, à boire des gaz sur nous. Nous disons ça à part un cas. Tout le temps, pas de courant 24 sur 24 par rapport à fonctionner. Objectif nous, après-midi, c'est pour nous lancer un message clair. Bye, monsieur qui est en tête, NRK. Les USAID ont géré le courant NRK. Nous avons des courants 24 sur 24. Depuis monsieur ça, il prend tête NRK. Pas de courant. Ça fait courant, pas de courant. Nous allons jusqu'à demain, si Dieu veut. Nous allons jusqu'à demain, si Dieu veut, pour retourner courant 24 sur 24. Nous-mêmes, au niveau Trou du Nord, Caracol, Sainte-Suzanne, Limonade et Terre Rouge, nous disons, tout autant, Enrica, pas retourner sous décision. Pour ben nous courant, Jean Déa, n'a pas tout béton là et n'a pas empêché par industriel à fonctionner. Après manifestation, si là, sans printemps, responsable compagnie électrique Enrica yo fait sortir une note. La dan yo déclaré et n'a pas cité. Après confirmation que factory qui n'a pas industriel là pral suspend travail pour reste jour dans semaine ça, n'a informé yo que ça a permettre nous augmenter quantité les courants, sorti 7h à soir pour arriver minuit et demi, 5h temps à 30 minutes, commencer à soir 27 mars là. Augmentation ça a apprêté pendant l'autre semaine dans tout, avec l'espoir premier cargaison gaz cap sorti Saint-Domingue arrivé dans fin semaine là. Fin de citation. Dans notre si là, responsable fait connait, seule façon y a capable respecter nouveau horaire courant, c'est si on continue joindre gaz cap sorti en République Dominicaine. Yon dossier n'a pas suivre. Jodley Junior Saint-Ville, depuis zone industrielle Caracol, département Nord-Est pour VOA Créole. C'est dans suivre pour tout, une organisation dans Chicago, Illinois, offre cours anglais gratis pour immigrants, non seulement qui vivent dans la ville là, dans la pays de Chicago, mais dans la zone alentouille, nous avons une journaliste, Obed Lamik, pour plus de détails. Mandelé Dorette, c'est un jeune haïtien qui est en trentaine. Il débarque dans la zone Chicago en mois de janvier avec un pile rêve dans la tête. Li. Mais une des premières barrières qui montent sur l'autre, c'est la langue. On ne peut pas vivre dans le pays, on ne peut pas parler pour bébé. Et moi, il y a. Offre non plus l'opportunité, mais à l'opportunité à tout, il faut que je parle l'anglais pour aller à l'école. Mais si je parle l'anglais, je ne peux pas le faire. Mais Mandelé est déterminé pour changer la situation. Ça. Il y a peine inscrit dans un programme anglais qui fait spécialement pour les migrants haïtiens. Pêcher dans la zone les Iois et ans de nos victimes embamées, nègre Azam Jamaïcain qui ensemble avec gros am fan foi dans meyo peuple haïtien yo attaque Kakazek deuxième section communale Belé commune les Iois Jean Béret dénoncé pêcher victimes. Yo mandé ensemble avec l'État haïtien prend responsabilité yo pour empêcher pêcher haïtien yo continuer victime zak malhonnête voisin jamaïcain yo. Magistrat adjoint commune AKEA qui c'est Jean Hervé Saint-Ville mette main en collecte 4 citoyens et puis remet yo bail la police nationale individu si la yo toujours ap volé gaz qui vini nan antenne Digicel là dans commune nan, d'après sa magistrat civil fait qu'on est paquet dans Miragouane dans tête collée avec la police arrêté plusieurs jeunes garçons dans cadre opération yo mené dans jour ça yo commissaire gouvernement Miragouane Jean Ernest Muscadet qui t'a bail détail sur opération ça yo fait qu'on est jeunes garçons ça yo t'a bail problème chaque soir dans ville là dans casser dépôt divers chrétiens vivants puis loin après plus passer 2 mois dans prison et bien ancien député Henry Scholzer Chancy joint libération le mercredi 27 mars là faut que moi dit ancien président chambre député a libéré après audition dans cadre d'enquête sous détournement bien public dans centre national équipe CNE dirigeant fédération protestant Haïti sorti dans silence li pour exprimer des accords à conseil présidentiel CARICOM nan qu'a fait moun perdit temps d'après pasteur Calix Fleridon qui c'est président
président fédération proposé pour faire choix un juge dans la Cour cassation pour assurer président transition et puis former gouvernement avec personnalité qui désigné dans conseil CARICOM un groupe professeur qui t'a travaillé dans programme PSUGO ak PRONEC planté piquette yo une autre fois encore journée 26 mars là devant direction départementale éducation nord-ouest là objectif mouvement ça c'est pour exiger l'état haïtien paye l'argent yo doit yo depuis un bel bout de temps. Mes chers compatriotes, gros rimet a couru sous ancien sénateur Willow Joseph semblier dossier CARICOM, dossier Guy Philippe. Bienvenue dans journal tout haïtien connecté. Fou kon zami info pa encore une autre fois qu'a présenté ou édition